harmonisation clavier, on va travailler l'harmonisation 1, 4, 5, 1 dans la tonalité de si bémol majeur et sa relative mineure, sol mineur. On a deux bémols à la clé qui se situent sur le si et le mi, et dans la gamme harmonique de sol mineur, le fa est dièse. La sensible est augmentée d'un demi-ton, donc le fa est dièse. On va commencer par la tonalité de si bémol majeur. On va plaquer un accord de si bémol majeur, un accord de tonique, premier degré, si bémol, ré, fa, avec des doigtés 1, 2, 4. On enchaîne avec un accord de mi bémol majeur, si bémol, mi bémol, sol, avec des doigtés 1, 3, 5. Ensuite, un accord de dominante, un accord de fa majeur, que l'on va jouer la, do, fa, avec les doigtés 1, 2, 5. Et on revient sur l'accord de tonique, un accord de si bémol majeur, que l'on jouera si bémol, ré, fa. On plaque les doigtés de la main gauche, le cinquième doigt sur le si bémol, le deuxième doigt, le doigté numéro 2 sur le mi bémol et le pouce sur le fa. Premier accord, accord de tonique, si bémol, ré, fa, avec des doigtés 1, 2, 4. Qu'on enchaîne avec un accord de mi bémol. Donc, on le joue si bémol, mi bémol, sol. Un accord de fa. Donc, la, do, fa, avec les doigtés 1, 2, 5. Et on revient sur si bémol, ré, fa, l'accord de tonique. Travaillons maintenant nos enchaînements 1, 4, 5, 1 dans la tonalité de sol mineur qui est la relative de si bémol majeur. Donc on a dit il y a deux bémols à la clé, donc sur le si et sur le mi. Et dans la gamme harmonique de sol mineur, attention, le fa est dièse. La sensible est augmentée d'un demi-ton, donc le fa est dièse. Tout d'abord, on va poser, donc en fait, dans cette tonalité, le premier degré est mineur, le quatrième degré est mineur, le cinquième degré ici est majeur, et on revient sur un premier degré mineur. Le cinquième degré de la gamme harmonique de sol mineur, du moins, est un degré majeur à cause de l'altération. Premier degré, donc on va plaquer un accord de sol mineur que l'on va jouer sol, si bémol, ré. On enchaîne avec un accord de do mineur que l'on va jouer sol, do, mi bémol. Ensuite, un accord de cinquième degré, un accord de dominante, un accord majeur que l'on jouera fa dièse, la, ré avec les doigtés 1, 2, 5 et on revient sur l'accord de sol mineur, sol, si bémol, ré avec les doigtés 1, 2, 4. On va placer notre main gauche. Le cinquième doigt sur le sol, le doigté numéro 2 sur le do et le pouce sur le ré. Tonique, le sol, sous-dominante, le do et le ré dominante.
On va plaquer un accord de sol mineur, sol, si, sol, si bémol, ré, avec les doigtés 1, 2, 4. On enchaîne avec un accord de do mineur, sol, do, mi bémol, avec les doigtés 1, 3, 5. Accord de ré majeur, fa dièse, la, ré, avec les doigtés 1, 2, 5. On revient sur l'accord de tonique, sol, si bémol, ré, accord de sol mineur. On va enchaîner un 4-5-1 dans la tonalité de si bémol, puis dans la tonalité de sa relative sol mineur. On commence par si bémol.